Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui va être un récapitulatif des 10 premiers épisodes, tout simplement pour vous présenter notre BMW 3 litres CSI que nous avons décidé d'acheter puisque nous sommes maintenant agréés BMW Classic Service. Donc on s'est lancé un défi de remettre en route cette auto qui est tombée en sommeil pendant une période de 26 ans. Tout simplement, celle-ci est d'octobre 1972 et a 75 000 km au compteur. Elle est tombée en sommeil puisque quelqu'un a voulu essayer d'extraire une bougie visiblement cassée dans la culasse. Donc on va devoir se pencher sur ce problème-là. Je vous laisse suivre Adrien et Aurélien qui vont rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait pendant ces 10 premiers épisodes. Et je vous retrouve à la fin de la séquence. Bonjour les amis. Bonjour. On va faire un petit récap des 10 premiers épisodes que vous avez pu visualiser sur notre chaîne. Un petit diagnostic a été fait par Adrien. Après, nous avons démonté tout ce qui était mécanique, donc échappement, pont, arbre de transmission, boîte de vitesse. Et l'échappement va être remplacé par un modèle inox. Cette boîte va être entièrement restaurée, décapée pour rendre son aspect d'origine. C'était relativement simple. C'était beaucoup de démontage avec des photos, de l'étiquetage de pièces. Toutes les pièces qui vont être même jetées, on les a gardées pour l'instant. Elles vont nous servir par la suite. Bon, bah, y a eu des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Nous avons démonté aussi après du coup le moteur, un peu de la carrosserie, du capot pour pouvoir sortir toute la mécanique. Ouverture du moteur, là le diagnostic est tombé, donc il a fallu remplacer certaines pièces. C'était très sympa d'ouvrir le moteur, agréablement surpris, il était relativement propre dedans par rapport à l'âge et que ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné. Du coup c'est toujours sympa de travailler sur les moteurs BMW, surtout de cet âge là, on n'en voit pas non plus souvent. Mon embrayage avec le temps était tout rouillé avec le volant moteur, donc ça, on va les remplacer. Je ne vous cache pas que ces 10 premiers épisodes étaient super intéressants et excitants pour nous. On a pu démonter pas mal d'éléments, découvrir d'autres. Par contre, la surprise que vous ne voyez pas forcément dans les épisodes, c'est le dégrippant usé à gogo, les tubes pour forcer, le chalumeau, et pas mal de patience, parce que casser une pièce sur ce type de véhicule, je vous explique pas la galère. Pour l'instant, la priorité est au moteur, donc nous ouvrirons après par la suite boîte de vitesse et pont arrière pour établir des diagnostics et voir les pièces à remplacer. Tout ce qui était vilebrequin nous semblait correct. La culasse, certes endommagée au niveau du puits de bougie, nous semblait relativement propre. Les pistons aussi. Petit conseil pour les personnes qui veulent s'aventurer dans une telle aventure, c'est bien prendre des photos à chaque démontage, prendre des boîtes, même les vis que vous avez remplacées, les mettre de côté, vous avez les tailles, les photos, l'emplacement. Ça prend énormément de temps, mais ça sera plus rapide pour le remontage, je vous garantis. Bien évidemment, avant de se lancer dans une restauration, faut déjà regarder l'état carrosserie, donc qu'il n'y ait pas trop de corrosion perforante, regarder un peu l'état de la mécanique, bien se renseigner au niveau du constructeur si on peut avoir les pièces au détail pour refaire certaines pièces comme la boîte de vitesse, le moteur ou le pont, et surtout regarder s'il ne faut pas des outils spécifiques. On a investi dans une microbilleuse qui fait aussi sableuse pour rendre l'aspect d'origine à certaines pièces qu'on va essayer un maximum de traiter en interne. Toutes les autres qui sont trop grosses pour notre machine ou trop complexe, on va les faire passer par des sous-traitants. Merci Adrien et Aurélien. Maintenant que la partie moteur, boîte et pont est déposée, on a pu identifier l'origine du problème de l'immobilisation. En fin de compte, la bougie est cassée dedans et il ne reste plus que le filetage. Voilà. Donc on a déposé la culasse de façon à pouvoir l'emmener chez un sous-traitant, un rectifieur, de façon à voir s'il peut arriver à nous extraire ce morceau de filetage restant et surtout de l'éprouver pour voir si la culasse est récupérable. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite des événements.